Soudain Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez aujourd'hui M. Abdelmajid Attar, ancien président directeur général de la Sonatrach, ancien ministre de l'énergie, vice-président actuellement de l'Association de l'industrie et du gaz. Bienvenue à vous deux. Monsieur Abdelmajid Attar, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie abrite le 15e forum de l'énergie à la fin de ce mois, du 26 au 28 septembre. En marge, une réunion informelle de l'OPEP va se tenir. Est-ce qu'on peut supposer déjà, Monsieur Attar, que cette réunion pourrait aboutir à un accord pour stabiliser le prix du baril de pétrole autour de 50-60 dollars, Monsieur Attar? Oui, d'abord merci de m'inviter. Et à cette occasion, ce que je peux dire, c'est que la réunion du Forum de l'énergie est extrêmement importante. Elle a lieu pratiquement tous les ans. C'est une réunion qui regroupe tous les pays producteurs, consommateurs, les compagnies, producteurs d'énergie de façon générale. Donc, il va y avoir des échanges autour de la table assez importants sur la situation énergétique dans le monde. Donc, c'est une réunion importante. Le fait que les pays de l'OPEP soient déjà pratiquement tous d'accord de se revoir à cette occasion à Alger au cours de cette réunion, ça ne fait que renforcer, disons, les espérances d'un éventuel accord ou quelque chose dans ce genre autour d'une possibilité de stabilisation du prix. Donc elle est importante. A priori, tout le monde a dit OK, bien que, attention, ils ont dit OK, mais ils n'ont pas défini leur position. Par exemple, l'Iran, qui est le principal, en quelque sorte, qui a. C'est peut-être à cause de lui que la dernière réunion de l'OPEP a un petit peu capoté. Ils n'ont pas réussi à geler le niveau de production. Donc, ils ont dit d'accord, on est prêt à participer. La Russie a dit aussi, jusqu'au président, pratiquement Poutine, qui a dit nous sommes d'accord pour le gel du niveau de production. Donc, tous les signaux sont positifs. Tous les signaux sont positifs pour le moment. Mais il faut attendre un petit peu quand même. Mais tous les signaux sont positifs aujourd'hui à travers toutes les déclarations qui sont exprimées aujourd'hui. Vous l'avez indiqué à l'instant, l'Iran qui va participer à la conférence d'Alger, idem pour l'Arabie Saoudite, la Russie favorable à un gel de la production, ça a été exprimé par son président Poutine. En clair, est-ce qu'on peut considérer aussi à travers toutes ces déclarations et par rapport à cette volonté qui est exprimée aujourd'hui, qu'ils vont mettre leurs différents politiques de côté pour l'intérêt général, pour stabiliser le prix du pétrole, puisque même l'Arabie Saoudite connaît un déficit aujourd'hui. Tout le monde, cette crise de toute façon qui a commencé, enfin cette baisse du baril qui a commencé à la mi-2014 jusqu'à aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'elle a duré déjà, ça fait à peu près 20 mois. Bien, 20 mois uniquement pour 2015 et 2016. Et il y a une chose qui est importante. En 2008, quand le prix a baissé, il a baissé pendant 6 mois et il a repris rapidement dans une courbe ascendante sans jamais redescendre. D'accord. Mais cette fois-ci, la baisse a commencé en juillet 2014 pour atteindre pratiquement un peu plus de 40 dollars ou 45 dollars si mes souvenirs sont bons à la fin de 2014. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le prix moyen du baril tourne autour de 47-48 dollars. Voilà, sur 20 mois. C'est la première fois que la baisse, depuis 2004-2005 à peu près, et je parle de niveau de prix, je ne parle pas du prix lui-même, c'est-à-dire la moyenne est de 47-48 dollars le baril. Ceci est annonciateur. Ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est pas seulement le niveau de production de l'OPEP ou non OPEP qui décide du prix. Il y a d'autres paramètres. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère où, c'est-à-dire la consommation énergétique dans le monde va complètement changer. Ce qui va conditionner le prix va complètement changer. L'OPEP, elle peut produire plus, elle peut produire moins. Ce n'est pas ça qui va augmenter ou diminuer le prix. Autrefois, par exemple, je vous donne juste un petit exemple. Autrefois, une simple grève au Nigeria entraîner par exemple le baril de 2 ou 3 dollars. Un début de conflit politique au Moyen-Orient et c'était la crise. Aujourd'hui, ça n'influe pas du tout. Mais quand vous parlez d'autres paramètres, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puisque vous dites que l'évolution du prix du pétrole est à présent indépendante de tout acteur ou acteur entre États, tel que celui signé entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Il y a plusieurs Saoudite. Paramètres. Et lesquels, par exemple, pour être clair? Il y a au moins 7 paramètres fondamentaux qui sont influents. Alors, d'abord, aujourd'hui,
Hein, aujourd'hui, bien sûr, le premier paramètre, c'est l'offre et la demande. L'offre est nettement supérieure, elle est pratiquement supérieure de 2 millions de barils à la demande au niveau mondial. Le deuxième paramètre qui a commencé à survenir pratiquement aux environs de 2007-2008, 2006-2007 plutôt, c'est la production des États-Unis qui a augmenté à cause des hydrocarbures non conventionnels. Quand je dis hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les États-Unis sont pratiquement le deuxième ou le troisième producteur après la Russie et l'Arabie saoudite. Il y a trois producteurs qui produisent 12 à 13%. C'est la Russie, l'Arabie saoudite et les USA. Donc, ils n'importent plus de gaz, par exemple. Ils en exportent même depuis l'année 2016. Le troisième paramètre, c'est la crise économique mondiale, la récession. Depuis 2008, il n'y a rien, tout. Il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de reprise. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, hier, il y avait la réunion du G20 pour essayer de voir les pays les plus puissants qui sont pratiquement les maîtres de la croissance dans le monde. Et ben, il n'y a pas de reprise. Il y a eu. Il y a aussi un autre paramètre qui est assez important depuis pratiquement 2014, c'est le dollar. Le dollar qui a pratiquement, qui s'est renchéri par rapport à l'euro, par exemple, de 20 à 25%. Et ça, c'est extrêmement important, hein, parce que tous les échanges de pétrole se font en dollars. Voilà, parmi tous les paramètres importants. Et il y a, pardon, la consommation mondiale à cause de la crise. La consommation mondiale en énergie, elle est en train de baisser. Le pétrole est en train de perdre par rapport au charbon et au gaz naturel. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une situation de surproduction de pétrole Bien sûr. Actuellement, puisque les pays demandent Par déjà de rapport la à la demande et par rapport à la consommation Les mondiale. Quantités en Oui, surplus. Il y a à peu près 2 millions de barils qui sont pratiquement sur le marché et qui ne trouvent pas preneur. Et il y a, bien sûr, il y a les stocks américains aussi. Vous savez que les Américains, ils ont des stocks pratiquement qui dépassent les 500 millions de barils. Il y a 500 millions de barils qui sont là, stockés. Au niveau des États-Unis. La Chine en a autant. Sans parler des non conventionnels. Non, ça c'est, je parle des stocks. Ils produisent déjà autour de entre 9 et 10 millions de barils, les États-Unis. C'est extraordinaire, quoi. Enfin, ils sont passés pratiquement à cause des non conventionnels, ils sont passés de 6 à 10. C'est énorme, hein, comme. Mais vous déclarez aussi, monsieur Attal, que le prix à 120 dollars, tel qu'on l'avait vécu durant Non, je crois 2009 qu'il et faut 2015, l'oublier. il faut complètement Il l'oublier. faut Le prix de l'oublier. pétrole est à son point d'équilibre. Qu'est-ce que vous entendez par ces propos? Un point d'équilibre par rapport, si vous voulez, au marché, par rapport aux capacités aux capacités de consommation à l'échelle mondiale. Parce que tous les producteurs se regardent. Vous savez, à chaque fois, par exemple, que l'OPEP réduit de toute façon sa production, il y a les non-OPEP qui produisent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Parce que depuis 2004 jusqu'à 2014, tous les pays producteurs, surtout les gros pays producteurs, se sont un petit peu habitués à ce niveau de prix très haut. Et ils se sont donc habitués à des niveaux, à des modes de consommation vraiment qui dépassent en réalité leur capacité et qui dépassent même le raisonnable, je dirais. Donc aujourd'hui, maintenant qu'il y a une baisse du baril, à chaque fois qu'il y a une baisse du baril, les pays aussi bien de l'OPEP que non OPEP, ils essayent de se rattraper en produisant plus. Donc il y a une compétition, il y a une course beaucoup plus au niveau de production, au quota plutôt qu'au prix. Et donc il faut tenir compte aussi des pays non OPEP qui produisent l'équivalent de 65% de la demande Absolument, mondiale. absolument. L'OPEP, c'est 35%. Mais oui, bien sûr, même si l'OPEP renferme 80% des réserves mondiales, ils n'en produisent que 34-35%, c'est tout. Pour la simple raison que les marchés, enfin, il y a la Russie, comme je vous ai cité tout à l'heure, la Russie et les États-Unis, à eux deux, ils produisent pratiquement deux fois plus que l'Arabie Saoudite. Hein. Mais justement, par rapport à cette tendance baissière, tout le monde focalise essentiellement sur la Russie et vous dites non, il ne faut pas tenir compte seulement de la production, pardon, de l'Arabie Saoudite, hein, je rectifie, mais vous dites il ne faut pas tenir compte de ça parce que pour les 6 prochains mois, en 2017, le risque ne viendra pas de l'Arabie Saoudite, mais plutôt de l'Irak. Pourquoi, monsieur Oui, Attar? bah, pour deux raisons.
D'abord, en 2015, il y a eu un peu plus d'un million de barils supplémentaires qui ont été mis sur le marché, alors que ce n'était pas prévu. Ce million de barils a été mis sur le marché à moitié par l'Arabie saoudite et à moitié par l'Irak. L'Irak produit aujourd'hui, enfin en 2015, il a produit en moyenne 3,5 millions de barils jour, en moyenne. Hein. Aujourd'hui, en 2016, il est en train de dépasser les 4 millions de barils. Il a des capacités, c'est le deuxième producteur dans l'OPEP, au sein de l'OPEP, l'Irak. Il est capable de produire 6-7 millions de barils sans aucun problème, parce que les conditions, c'est-à-dire géologiques, enfin les gisements, etc., sont des gisements très faciles à produire, beaucoup plus faciles que ceux de l'Arabie saoudite. Donc, ce pays-là, qui a traversé quand même des décennies de guerres, de problèmes, etc., il va essayer, il ne peut pas faire autrement, de se développer uniquement à travers sa production pétrolière. Mais Et face à cette là, situation, comment l'Algérie doit s'adapter aujourd'hui, en tenant compte que nous sommes aussi un nous, on pays doit trouver exportateur de des pétrole? solutions ailleurs que dans le pétrole, hein, sincèrement. Bien sûr, il y a une période de transition, il va falloir continuer à compter sur le pétrole, sur le gaz aussi. Mais on en a des capacités encore Bien sûr que... supplémentaires, puisqu'il y a de nouveaux gisements qui viennent d'être découverts par Sonatrach. Oui, de nouveaux gisements, mais ce n'est pas ça qui va. De nouveaux gisements, quand on dit de nouveaux gisements, mais ce sont de petits gisements. Hein. On n'est pas. Aujourd'hui, je suis désolé, mais en Algérie, nous découvrons un baril pratiquement en moyenne hein, pour 3 barils consommés. Nous sommes un petit producteur. Hein. Nous produisons quand même moins de 1,2 million de barils jour. Nous sommes beaucoup plus un pays producteur de gaz. Moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur le gaz, beaucoup plus que sur. Évidemment. À travers aussi une économie d'énergie, l'introduction d'énergies renouvelables pour consommer moins de gaz, surtout. Le gaz, oui, nous avons une position extrêmement importante en Méditerranée, en face de l'Europe, et en principe, ni la Russie, ni l'Iran, ni personne d'autre ne peut nous concurrencer. Alors sur cet aspect, nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront consacrées aux questions de nos auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. À tout de suite. Alors, Monsieur Abdelhamid Majid Attal, vous déclarez à l'instant, avant la fin de la première partie de l'invité de la rédaction, que l'Algérie, c'est plus un pays gazier, de production de gaz, que de pétrole. Et on en consomme plus qu'on en exporte. Comment faire aujourd'hui? Comment concilier ces deux équations pour aujourd'hui économiser le gaz qui D'abord, est utilisé à 90% dans la fabrication de l'électricité? juste dans le monde aujourd'hui, on assiste à un recul de l'importance du pétrole dans le panier énergétique par rapport au gaz naturel et même au charbon, pour des raisons environnementales, écologiques, etc., etc. Deuxièmement, l'Algérie a un potentiel, a des réserves et un potentiel en gaz plus important qu'en pétrole. On a beaucoup plus de gaz naturel dans notre sous-sol que de pétrole. Je rajouterai à cela les réserves non conventionnelles, ce qu'on appelle comme gaz de schiste. Bien sûr, aujourd'hui, il fait l'objet d'une certaine, de beaucoup de problèmes, d'opposition, etc., etc. Mais moi, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, de toute façon, nous serons amenés à utiliser ce gaz de schiste si les technologies progressent, si les investissements, enfin le prix de revient du mètre cube de gaz d'ici 10 ans ou 15 ans ou même 20 ans diminue. Parce qu'aujourd'hui, nous ne dominons pas ce secteur, nous n'avons pas les technologies, le savoir-faire, les moyens logistiques comme les États-Unis qui aujourd'hui pratiquement sont les premiers producteurs de gaz de schiste dans le monde. Et en deuxième position, il y a la Chine. Il y a 22 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel quand même dans le sous-sol, qui dorment dans le sous-sol. Il faudra bien les produire un jour. Ça, d'une part. Maintenant, le gaz naturel, c'est une source d'énergie extrêmement très propre par rapport au pétrole, par rapport au gaz, par rapport à toutes les autres ressources énergétiques. Mais vous dites qu'on en consomme plus qu'on en exporte. Non, on consomme pas, c'est-à-dire par rapport au gaz conventionnel. On produit aujourd'hui à peu près 83 milliards de mètres cubes commercialisés. Hein. Je ne compte pas le gaz qui est réinjecté pour récupérer les liquides. Sur les 83, on consomme à peu près 40 milliards de mètres cubes en Algérie. 40 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire la moitié, et le reste, c'est-à-dire 43, c'est ce qu'on exporte. Voilà,
Aujourd'hui, à peu près, c'est une moyenne. Hein. Je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais c'est à peu près cela hein, par rapport à 2015. Donc, on consomme beaucoup. Et le gros problème chez nous, c'est que d'abord, l'électricité est produite à 100% avec du gaz naturel. Presque tout, enfin, il y a peut-être moins de 1% en énergie renouvelable. Alors qu'ailleurs dans le monde, on en est déjà à 12%. D'accord? En moyenne, hein, il y a des pays qui dépassent les 20% en énergie renouvelable. Je ne compte pas le nucléaire, nous, on n'a pas de nucléaire. Pour le moment, il n'y a que la France qui est leader dans ce domaine-là, qui produit son électricité essentiellement avec le nucléaire. Alors, la consommation de gaz naturel depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, elle a augmenté de plus de 300%. Et elle a augmenté où? Essentiellement dans la production d'électricité et dans l'usage domestique. Pas tellement dans l'industrie, par exemple, dans la consommation, c'est-à-dire pour la production industrielle, ou encore dans la pétrochimie, c'est-à-dire pour valoriser encore plus le gaz ou d'autres produits pétroliers à travers en transformant, en faisant des engrais, etc. Ce n'est que récemment qu'on a fait quelque chose dans les engrais. Mais Ce par n'est rapport pas. à cette Donc, consommation on a aujourd'hui. du. Voilà. Cette consommation, mais on peut la diminuer. On peut la diminuer, par exemple, dans le secteur de. D'abord, en diminuant notre consommation énergétique, tout simplement. Et deuxièmement, en introduisant de nouvelles ressources énergétiques. Et là, je parle des énergies renouvelables. On en est encore au début. Il y a un programme. Le gouvernement, il a un programme. On dit Le que. président a relancé le projet Oui, des il y renouvelables a un aujourd'hui programme. en C'est un considérant programme que c'est une ambitieux. stratégie nationale. Et d'ailleurs, si ce programme-là n'est pas réalisé d'ici 2030, moi je vous dis, par exemple, par rapport aux réserves prouvées, hein, si on ne parle que des gaz conventionnels, réserves prouvées, ben en 2030, on pourrait ne plus exporter de gaz, tout simplement. On pourrait même en importer, certains disent. Non, n'importe, non, moi je pense pas quand même. D'ici là, je suis certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les technologies avanceront, que le prix de revient, par exemple, d'exploitation, ainsi que les risques d'exploitation du gaz non conventionnel, c'est-à-dire le gaz de schiste, évolueront. Et à ce moment-là, on pourra toujours. Je rappelle encore qu'on a 22 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel techniquement récupérable dans le sous-sol algérien en gaz non conventionnel. Mais justement, par rapport à toute ce niveau de consommation aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer parallèlement qu'il y a énormément de gaspillage? Ah oui, ça c'est clair. Hein. On gaspille non seulement du gaz naturel, mais des produits, les carburants par exemple. On a consommé pratiquement 16 millions de tonnes, je crois, en 2015. Il est prévu d'atteindre 30 millions de tonnes en 2030. 30 millions de tonnes. Enfin, si on ne fait rien, bien sûr. Hein, Et c'est pas l'économie qui absorbe toutes ces Ah quantités non, non. aujourd'hui. Vous savez, l'énergie produite et consommée en Algérie, elle est pratiquement consommée entre 65 et 70% dans le secteur des ménages, c'est-à-dire et autres usages non industriels et non productifs de plus-value, et le transport. L'industrie, c'est-à-dire qui produit quelque chose en Algérie, un produit de consommation ou quelque chose, une plus-value, elle ne consomme que 15% de l'énergie totale, l'énergie primaire en Algérie. Ça montre que nous consommons toute la plupart du gaz, des produits pétroliers, ben c'est pratiquement consommé juste pour être consommé. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher les gens de consommer maintenant, mais il faut introduire, réduire d'abord la consommation. Et la seule façon de réduire, moi je vous dis, hein, le premier truc, c'est les prix. C'est tout. Le prix. Il faut aller augmenter encore le prix du Oui, carburant. absolument, le carburant, le gaz naturel, l'électricité et tout ça. Hein, parce que c'est le principal argument. Il n'y a que ça pour convaincre les gens à consommer moins. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut l'augmenter du jour au lendemain. On ne peut pas le faire de toute façon. Une augmentation graduelle. Voilà, une augmentation graduelle. Mais maintenant, en contrepartie, ça ne veut pas dire qu'il faut l'augmenter. Du jour au lendemain, ça ne veut pas dire qu'il faut simplement l'augmenter. Non, il faut mettre à la disposition du consommateur, qu'il soit ménage ou industrie, un nouveau type d'énergie à partir des énergies renouvelables, par exemple. Et il faut bien sûr penser aux démunis, aux gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne pourront pas payer.
les prix. Et à ce moment-là, il faut essayer de compenser en quelque sorte avec d'autres mécanismes. Ça se fait ailleurs, ça se fait dans les autres pays. Hein. C'est pas, il ne s'agit pas d'appliquer le même prix pour tout le monde, quel que soit leur pouvoir d'achat. Hein. Alors, puisqu'on parle des énergies renouvelables, aujourd'hui, une question d'un auditeur qui vous dit comment vous évaluez la politique des énergies renouvelables en Algérie ? Ben, elle démarre, on a pris beaucoup de retard, hein, il faut le reconnaître. Hein. En 2011, le programme qui avait été pratiquement décidé, il était ambitieux. On parlait beaucoup plus d'ailleurs de réalisation, bon, je ne vais pas faire beaucoup de techniques, d'investissement dans pour les énergies renouvelables, pour les systèmes thermiques. Aujourd'hui, on parle de photovoltaïque. À un certain moment, en 2011... On a de l'énergie solaire. Oui, oui. D'énormes gisements. Mais il faut investir, parce qu'il faut investir non seulement sur la production, c'est-à-dire la production énergétique, mais aussi sur son transport, sur les usages aussi, parce que les usages changent, ils doivent absolument changer. Maintenant, on a du retard, on a du retard. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas 300 mégawatts qui ont été installés, voilà, sur les 22 000. Qui sont prévus. Alors, autre question, quelles sont les mesures à prendre pour stabiliser les prix du pétrole à 50-60 dollars le baril aujourd'hui par rapport à la réunion informelle de l'OPEP qui va se tenir à Alger? Les pays de l'OPEP ont intérêt à se mettre d'accord avec la Russie, puisque c'est... Mais quand vous dites qu'ils ont intérêt, alors qu'eux, ils font un peu valoir leur problème politique d'abord? Bah, il faut les mettre de côté. Ça, il y a pas d'autre solution. Faut le dire à l'Iran. Dire à l'Iran et l'Arabie Saoudite. Non, a priori. Par rapport aux premières déclarations. Il y a des signaux positifs. Il y a des signaux positifs par rapport à l'année dernière. Il faut absolument geler le niveau de production actuel. Maintenant, c'est pas suffisant, moi je dis. C'est pas suffisant. La deuxième condition, c'est il faut absolument que tout le monde respecte aussi. Parce que très souvent, on dit, oui, on va geler, je ne vais pas augmenter, mais derrière, ils augmentent. Aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques, par exemple, de l'OPEP, l'OPEP produit 32 et quelques, mais en réalité, elle produit plus. Il ne faut pas oublier que les pays de l'OPEP mettent sur le marché aussi à peu près 6 millions de barils jour en condensat et GPL. Mais comment vous évaluez aujourd'hui la déclaration de l'Iran quand ils vous disent, d'accord, nous sommes favorables pour le gel, mais à tous les pays aussi, de respecter cette disposition, parallèlement, il faut tenir compte de notre situation où on était sous embargo. Donc notre économie a besoin aussi. Le Venezuela aussi, le Nigeria, l'Algérie aussi, on a besoin de produire plus. Nigeria qui est en faillite aujourd'hui. Qui a rejoint le Nigeria, a rejoint le Venezuela dans le même système. Moi je dis, il faut geler. Il faut respecter et il faut peut-être même envisager de réduire la production. Parce qu'en réduisant un tout petit peu la production, d'abord on donne un signal au marché et puis le prix suivra et l'augmentera. Ce qu'on perdra en quantité, on le gagnera en prix. Et ça, il faut absolument que les gens se mettent d'accord sur ce consensus. Là, à mon avis, c'est pratiquement la dernière chance avec cette réunion de septembre à Alger pour stabiliser le prix, d'abord, sur 2016. D'ailleurs, moi, ça m'étonnerait qu'il dépasse les 50 dollars en moyenne pour l'année 2016. Et en 2017, on fait le minimum, on pourrait peut-être... faire en sorte que le prix aille de 50 à 60 dollars, par exemple, ou avec une moyenne quelque part, je ne sais pas, pourquoi pas, je l'espère bien à 60. Mais au-delà de 60, cela m'étonnerait. Pour 2017, il faudra encore attendre 2018 ou 2019. Mais s'il n'y a pas accord, quels sont les risques aujourd'hui, monsieur Attal? C'est une question d'un auditeur. S'il n'y a pas d'accord, moi je pense que le prix va rester pratiquement autour de 45 dollars, 45 à 50 dollars. Pas plus, 45 dollars en moyenne, il n'ira pas plus loin. C'est le prix d'équilibre pour la période actuelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une crise mondiale aussi, il y a une récession à travers tous les pays, il y a moins de consommation, il y a plus d'énergie renouvelable, etc.
Donc il faut pas, il faut prendre en considération cela. Alors aujourd'hui, bien sûr, comment on peut considérer la production de l'Algérie au niveau mondial, aussi bien pétrole que gaz? On dit qu'on est un grand pays pétrolier, or que si on se réfère aux chiffres au niveau international, non, nous sommes un petit pays. Non, on n'est pas. C'est une question d'un auditeur, hein, monsieur. Nous sommes l'un des plus petits pays producteurs au sein de l'OPEP et même dans le monde. Hein, ce n'est pas avec 1,2 million de barils par jour qu'on va concurrencer la plupart des autres pays en plus de capacité, y compris la Libye qui est juste à côté. En matière de gaz, nous ne sommes pas non plus un grand pays gazier, mais nous sommes un pays important dans le bassin méditerranéen, en face d'une Europe qui a besoin de gaz. En face d'une Europe où, en principe, ni la Russie, ni l'Iran, ni le Qatar ne pourront nous concurrencer. Pour la simple raison que nous avons déjà trois gazoducs qui nous relient à ce marché. Hein, et le prix du gaz en gazoduc, il est moins cher que le GNL. Hein, il est plus flexible à transporter, à commercialiser, etc. Donc, en principe, c'est ça qui fait notre force. C'est ce qui fait la force de l'Algérie, c'est d'être en face du deuxième marché gazier après celui des États-Unis. Voilà. Alors, il y a une question d'un auditeur qui me semble être très pertinente. Il dit, tant que de gros producteurs sabotent le marché sur ordre de Washington afin de ruiner la Russie, c'est plus une question technique mais carrément de la géopolitique. Vous êtes d'accord avec lui ? Bah, je ne sais pas, moi j'ai pas d'éléments, hein, je ne pense pas. Mais le pétrole a toujours fait l'objet aussi. Oui, il a fait l'objet. On a toujours essayé de faire pression effectivement sur certains pays. Les tensions à travers le monde existent particulièrement dans les pays pétroliers, là où il y a le pétrole et les gisements. Là où il y a du pétrole. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, autrefois quand il y avait une guerre, le prix augmentait. Aujourd'hui il y a des guerres. Hein, pratiquement le Moyen-Orient est la région la plus instable en ce moment, et pourtant c'est la plus grosse productrice, c'est là où il y a le maximum de réserves, il y a 80% des réserves mondiales en pétrole sont là-bas, et pourtant le prix il est bas. Donc quand on dit que les États-Unis ordonnent ou je ne sais pourquoi pour saboter le prix du pétrole et les économies par exemple de l'Iran, etc. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas d'éléments. Les États-Unis ils produisent les non conventionnels. Bien sûr, les gazochistes. Les États-Unis ont intérêt à ce que le prix du baril soit au-dessus de 45 $ parce que c'est le prix de base pour permettre une production continue au minimum de 60% de la capacité des États-Unis. À 45 $, le gaz de schiste continuera sans aucun problème. Donc, les États-Unis ont intérêt à ce que le prix ne soit pas inférieur à 45 $. Mais quel est le prix qui conviendrait à tous les pays aujourd'hui ? 60 $. Y compris l'Algérie ? Oui, bien sûr, à 60 $, parce qu'il faudra aussi serrer la ceinture aussi. Monsieur Abdelmadjid Attar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.